Bonjour! Bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen! La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Hello, hello les J-Kids. Comment allez-vous ce matin? On se retrouve encore une fois de plus pour louer Dieu, pour passer du temps dans sa présence. Comment allez-vous les enfants? Si vous allez bien, je veux voir vos mains levées ce matin. Hello, hello, hello. Et cette semaine, vous l'avez bien passée? Est-ce que cette fin de vacances, ça va, ça se passe bien? Vous êtes prêts pour la rentrée ou pas? Alors ce matin, nous sommes venus encore passer du temps avec le Seigneur. Nous sommes venus célébrer son nom, nous sommes venus passer du temps avec lui, le contempler, l'adorer. J'espère que tu es prêt à passer du temps avec Dieu ce matin. Nous allons passer un temps de prière pour présenter ces temps au Seigneur, parce que sans lui, ces temps n'auront pas de sens. C'est pour lui que nous sommes là, donc nous allons lui confier toutes choses ce matin. Prends la position que tu veux. Si tu veux être debout, tu peux te lever. Si tu veux être à genoux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux juste être assis, tu peux être assis. Tu fermes les yeux et tu contemples ton Dieu qui est là. Nous allons prier les J-Kids ce matin. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ce matin, tu vas te souvenir de tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi, pour la vie, pour le fait que tu sois là ce matin, pour la santé, parce qu'il y a d'autres qui sont malades, pour le fait que tu sois connecté même avec nous ce matin. Nous allons dire merci à Dieu ce matin. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as pris soin de nous toute cette semaine. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as encore emmenés dans ces lieux ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui nous as donné la santé. Merci pour chacun des enfants ce matin. Merci pour chacun des parents ce matin. Merci pour chacun des moniteurs ce matin qui est présent. Nous savons que c'est ta grâce qui nous a emmenés en ce lieu. Nous savons que c'est ta grâce qui nous a conduits là ce matin. Et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous donnes un toit. Merci parce que tu nous donnes des vêtements. Merci parce que tu nous donnes à manger. Seigneur, c'est une grâce. Merci pour le privilège aussi que tu nous donnes de t'appartenir. Merci Seigneur Jésus. Nous allons dire maintenant merci au Seigneur pour sa présence, pour la présence du Saint-Esprit. Et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Consolateur sera venu, quand l'Esprit de vérité sera là, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous allons dire ce matin, Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous là où tu veux que nous allions ce matin. Conduis-nous dans ta volonté. Prions les J-Kids. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons encore t'honorer ce matin, honorer ta présence ce matin, Saint-Esprit. Et nous voulons que tu sois le seul maître en ces lieux, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous conduises dans toute la vérité ce matin. Nous voulons que tu nous conduises dans ta volonté ce matin. Nous voulons aller là où tu veux que nous allions ce matin, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu veux. Nous sommes à toi, Saint-Esprit, et ces temps ne sont qu'à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu qui est là pour nous nourrir ce matin, la parole de Dieu qui est là pour nous faire grandir ce matin. Dieu a dit, Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, sache que la parole de Dieu, comme la nourriture, nourrit ton esprit et te permet de grandir et de ressembler de plus en plus à Christ. Alors ce matin, nous allons prier que la parole de Dieu nous nourrisse encore et nous fasse grandir pour que nous soyons comme le Christ. Prions les Jikids. Seigneur, nous prions pour la parole que nous allons recevoir ce matin. Nous prions que ta parole vienne encore trouver une place dans notre cœur, que ta parole nous fasse grandir en toi, que ta parole nous aide à devenir comme le Christ, que ta parole nous fasse grandir dans notre être intérieur et que ta parole nous fasse ressembler au Christ. Nous voulons être nourris encore ce matin par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, Jikids. Nous allons passer à un autre moment. Nous allons passer à un moment d'adoration. Nous allons passer à un moment de louange avec notre Seigneur, en l'honneur de notre Seigneur. Alors, la louange, l'adoration, c'est tout simplement dire au Seigneur qui il est, dire au Seigneur à quel point nous sommes reconnaissants pour sa présence et à quel point nous sommes reconnaissants pour sa vie. À quel point nous l'aimons aussi. Alors prends la position que tu veux ce matin. Tu peux te mettre à genoux, tu peux lever les mains, mais sache que le Seigneur est là et il t'entend ce matin. Alléluia. Nous allons dire point d'autre nom que le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui nous rassemble ce matin. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. En gloire et en honneur et louange à ce nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. En gloire et en honneur et louange à ce nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus est digne de soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom, une dernière fois, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point
louange et l'honneur est digne de gloire. Oui, est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur est digne de gloire, est digne de gloire. Digne de puissance, à lui soit la louange et l'honneur. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, lui qui est digne de gloire, lui qui est digne de louange ce matin? Alléluia. Alors maintenant, nous allons dire, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime, puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime, puis je célébrer le nom du Seigneur, je célèbre.
Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à l'animation. Bonjour, bonjour, cher J-Kids. Alors, waouh, je t'ai vu adorer, prier, louer. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à un autre temps très fort, l'animation. Alors, si un J-Kid est prêt, qu'il me fasse signe des mains, qu'il claque des doigts, qu'il me montre son plus beau sourire. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, cher J-Kid, tu vas voir s'afficher sur ton écran un verset. Alors, ce verset, il est à l'envers et l'objectif pour toi sera de reconstituer ce verset dans le bon ordre. Je vais te lire le verset et te donner aussi quelques indices. Du monde, la lumière, vous êtes, point, une montagne, ne, une ville située, peut être surtachée. Alors, je t'ai laissé quelques indices. Les premiers mots de chaque phrase du verset sont mis en gras. Alors, cher J-Kid, je sais que tu es très intelligent, donc je te laisse quelques minutes pour trouver, pour reconstituer ce verset dans le bon ordre. Je regarde dans le chat pour voir ta réponse. Alors. Oui. Voilà la première phrase. Je vois la première phrase du verset. La deuxième, du coup. Alors, je commence à voir des débuts de bonnes réponses. Continuez, les J-Kids. Oui. Allez, les J-Kids. Allez. Oui, vous êtes la lumière du monde. Continuez, oui. Wow. Bravo, oui, je commence à avoir de très, très bonnes réponses. Oui. Alors, je laisse encore quelques petites secondes. Oui, exactement, oui. Effectivement, cher J-Kid, la bonne réponse, c'est « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Donc, cher J-Kid, tu es la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée, tu ne peux pas être cachée. Et ce verset, c'est Matthieu 5, verset 14. Alors, on va continuer, J-Kid. Est-ce qu'un J-Kid est toujours prêt à continuer? Qu'il continue, qu'il claque des doigts? OK. Alors, tu vas voir maintenant, ça apparaît sur ton écran, un autre verset. Mais cette fois-ci, il y a des mots qui manquent dans ce verset. Il y a deux mots qui manquent. Je vais te lire le verset et te donner aussi quelques indices. Alors, recommande à L'. Tes œuvres, virgule, et tes projets, .. Alors, le premier mot, c'est aussi un synonyme de Dieu. Et ce premier mot est utilisé pour désigner l'infini. Le deuxième mot, J-Kid, est un mot qui est utilisé lorsque c'est aussi un synonyme de succès et c'est un verbe qu'il faut que tu conjugues à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est un synonyme de succès et c'est un verbe qu'il faut que tu conjugues à la troisième personne du pluriel. Alors, cher J-Kid, est-ce que tu as trouvé les deux mots? Je sais que tu es très intelligent. Je regarde encore dans le chat pour voir si déjà... Bravo, je commence à voir quelques bonnes réponses. Oui, j'attends les autres. Allez, oui, exactement. Oui. Allez, les J-Kids, j'attends encore des réponses. Oui, éternel, oui. Le deuxième mot. Alors, pas tout à fait. Oui, éternel. Oui, j'ai vu les deux bonnes réponses quelque part. Oui, voilà.
Ok, bon, maintenant je vais vous donner la bonne réponse, cher Jiki. Alors, les deux mots, maintenant tu vas voir s'afficher sur ton écran le verset avec les deux mots. Oui, effectivement, les deux mots sont éternel et réussiront. Alors, le verset, c'est « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». C'est le proverbe 16, verset 3. Donc, Jiki, n'oublie pas de recommander à l'Éternel tes projets, ta rentrée, tout cela, et tu vas réussir. Ok, Jiki, on va continuer, on va continuer. Est-ce que Jiki est toujours prêt? Qu'il claque des doigts, qu'il tape des mains? Ok, maintenant, cher Jiki, sois très attentif parce que l'animation qui va suivre est très... Il faudra que tu m'accordes toute ton attention. Alors, est-ce que Jiki se rappelle de l'histoire de la veuve et du juge inique? Oui? Si oui, mettez-moi des commentaires dans le chat. Est-ce que Jiki se rappelle? Oui? Ok. Oui, 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 non, non. Ok, c'est pas grave. Pour ceux et celles qui ne se rappellent pas de l'histoire de la veuve et du juge inique, je vais vous la raconter. Alors, c'était dans une ville, il y avait un juge inique et aussi il y avait dans cette ville une veuve. Alors, la veuve voulait que le juge inique lui rende justice de sa partie adverse. Mais le juge inique n'était pas du tout d'accord, il disait non. Mais vous savez ce que cette veuve a fait? Elle n'a pas abandonné chez Jiki. Elle a continué. Elle venait à chaque fois voir le juge unique. « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Mais ce dernier continuait à dire non. Et au bout du compte, la veuve a tellement insisté qu'un jour, le juge s'est dit « Si je ne rends pas justice à cette veuve, elle va me rendre fou. » Donc finalement, il a accepté de lui rendre justice. Alors, et voilà la veuve très contente d'avoir obtenu justice. Alors, cher Jikid, d'après toi, quelle attitude a manifesté la veuve pour obtenir justice? Quelle attitude a-t-elle manifesté pour obtenir justice, pour que le juge lui accorde la justice? Maintenant, pour te donner quelques indices, cher Jiki, tu vas voir s'afficher sur ton écran des images. Et d'après ces images, tu verras, tu peux déduire l'attitude que la veuve, elle a manifestée. Tu vois bien, cher Jiki, sur ces images, que ce sont des personnes qui n'abandonnent pas, qui continuent et qui ne se découragent pas. Alors, donc maintenant, avec ces images et tout ce que je viens de te dire, Jiki, je pense que tu as trouvé. Ok, je regarde dans le chat. Je commence à voir, waouh, vous êtes trop intelligent. Je n'avais même pas encore mis les images que vous avez déjà trouvées. Waouh, 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 bravo, bravo, bravo. Waouh, bah, sur ce coup... Cher Jiki, vous avez tous trouvé, hein? Je suis très fière de vous, je suis très contente. Alors, effectivement, la veuve, elle a manifesté la persévérance. Elle a manifesté la persévérance. Elle ne s'est pas arrêtée après le premier refus du juge. Elle a continué, elle n'a pas abandonné. Eh bien, cher Jiki, bientôt c'est la rentrée. Si à l'école, il y avait un Jiki de l'année dernière qui avait des difficultés dans certaines matières, il ne faut pas abandonner. Il faut prier et il faut aussi travailler. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider et il faut faire tes devoirs. Et tu vas te rendre compte qu'à force de persévérer, à force de faire des efforts, tu vas réussir. Ok, cher Jiki, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi et je suis très, très fière de toi. Donc, je vais te laisser maintenant passer un autre moment très fort avec Prisca pour la parole. Bonjour, 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 cher Jiki. Je sais que tu es content d'être là parce que je t'ai vu
adoré, je t'ai vu louer, je t'ai vu célébrer le Seigneur. Alors encore, nous allons continuer à parler du Seigneur, nous allons continuer à avoir des paroles édifiantes pour commencer cette année. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu es content d'être là. Est-ce que quelqu'un a voyagé? Qui peut me dire s'il a voyagé, s'il a été quelque part? Alors, qui peut me dire où il a été, si tu as voyagé, où est-ce que tu as été, dans quel pays tu étais? Alors, mets dans le chat, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Qui est parti? Où? Et si toi, tu n'as pas voyagé, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je vois la Guadeloupe, je vois Dubaï, waouh! Ah, les enfants n'ont pas chômé, hein? Ah là 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 là, merci Seigneur. Et des gens sont restés, ils sont partis au zoo, à la piscine, c'est bien les Jikits. Ils sont partis se balader dans Paris, se promener au sud de la France, au Cameroun. Alléluia, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui a accompli toutes ces choses dans vos vies. Alors, maintenant que vous êtes de retour, que on est dimanche là, qu'est-ce qui se passe jeudi? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe jeudi 2 septembre? Est-ce que pour vous, c'est l'inauguration d'un nouveau stade sportif? Ou bien c'est la rentrée scolaire, peut-être, je ne sais pas. Ou c'est le début des vacances? D'autres vacances encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, choisissez votre réponse. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe le jeudi 2 septembre? Alors. Ah, la rentrée scolaire. Oui, je vois la rentrée scolaire. Réponse 2. Oui, vous avez raison. Jeudi 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. Tout le monde se lève, tous les enfants iront à l'école. Nous avons entendu tout l'été que nous sommes des lumières et que nous devons briller. Et nous devons briller à l'école aussi. Alors, comment faire pour briller à l'école, Jikits? Dis-moi, je me pose la question, comment est-ce que Jikits peut faire pour briller à l'école? Alors, est-ce que je dois étudier? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois être assidu ou discipliné à l'école? Ou est-ce que je ne dois pas faire mes devoirs, peut-être? Ou est-ce que je dois me coucher tard? Alors, quelle est ta réponse? Ou quelles sont tes réponses? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors, quelles sont tes réponses? Est-ce que je dois prier, étudier, être assidu et discipliné? Ou est-ce que je ne dois pas faire mes devoirs et me coucher tard? Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'entend? Ah, j'ai ABC. ABC. Eh oui, les Jikis, vous avez encore une fois raison. La bonne réponse, ce sont les réponses A, B et C, c'est-à-dire tu dois étudier, tu dois prier et tu dois être assidu et discipliné à l'école. Assidu, c'est quoi? C'est être fréquent, régulier à l'école. Y aller tous les jours, ne rater les classes à aucun prétexte. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se préparer pour un retour des classes que nous soyons à l'aise et que nous puissions briller cette année, toute cette année scolaire, car Jikits, toi qui es connecté ce matin, toi Jikits, tu es une lumière. Amen. Tu es une lumière et tu dois briller à l'école. Alors, est-ce que vous êtes content de reprendre l'école jeudi, de reprendre les chemins de l'école? Est-ce que vous êtes content? Qui est content de reprendre l'école? Ou est-ce que quelqu'un parmi vous est un peu inquiet, se pose des questions? Est-ce que quelqu'un se dit, je sais pas. Alors, est-ce que vous êtes content? Ah, je vois des oui, oui, je suis content. Et oui, je vois oui, que vous êtes content de reprendre l'école. Eh ben, écoutez, sachez que moi aussi, quand j'étais petite, ah oui, moi aussi, j'ai été à l'école, hein. Quand j'étais petite, j'étais trop contente d'aller à l'école. Même que, avant la rentrée, ben, je me cachais dans ma chambre et je mettais ma tenue parce que nous, à cette époque-là, on avait des uniformes qu'on mettait pour aller à l'école. Tout le monde avait la même tenue.
Donc, je mettais mon uniforme, je mettais mon sac à dos, et je tournais dans ma chambre pour marcher avec mon sac pour voir comment ça se passait, comment ça allait. Et oui, je mettais tout ça parce que j'étais impatiente, je trépignais d'aller à l'école. J'étais impatiente. Alors, ce matin, je quitte. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que parmi vous, il y a des J-Kids qui s'inquiètent peut-être, qui se posent des questions, parce que j'ai vu un nom tout à l'heure, et des J-Kids qui se disent, oh là là, je ne sais pas, est-ce que l'année va être bien, comment ça va se passer, ils se demandent peut-être, est-ce que j'arriverai à me faire des amis, est-ce que j'arriverai à comprendre les cours, est-ce que j'arriverai à lire, à écrire. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir de bons camarades de classe? Il y a certains qui sont inquiets. Et toutes ces questions, c'est normal de se les poser. Parce que des fois, ces questions peuvent nous rendre stressés, peuvent rendre angoissés, être dans l'inquiétude. Si c'est ton cas, que tu as un peu peur de reprendre les cours, tu te poses des questions, ce n'est pas grave. Mais juste, il faut en parler. Oui, il faut en parler. Il faut en parler en famille. Il faut discuter avec tes parents. Parle-en à tes parents. Et pose des questions à tes parents. Ils vont te répondre et leurs réponses vont te rassurer et te permettre d'aller à l'école de manière sereine. Amen. Et tu dois te rappeler à chaque fois que la peur vient toquer, vient frapper à ta porte. Tu dois te rappeler ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ésaïe 41, verset 10? N'aie pas peur, car je suis moi-même. Le Seigneur te dit qu'il est lui-même. Je suis moi-même avec toi, Jikit. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Quand Jikis me dise Amen, Amen, le Seigneur est toujours avec nous par son esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, avant la rentrée, il faut vraiment que vous sachiez comment les choses vont se passer, comment toute l'année, ce qui va se passer. Il faut savoir ce que vous allez faire, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire aussi. Ce que les parents et les professeurs ou les maîtresses et maîtres attendent de vous. C'est très important que vous sachiez tout cela. D'accord? Alors, une fois qu'on sait tout cela, eh ben, la peur disparaît. On n'est plus inquiet puisqu'on sait tout. Donc, on va sereinement à l'école. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir quelques conseils qui vous permettront d'aller à l'école de manière tranquille. D'abord, à l'école, c'est un endroit où tu vas apprendre plein de choses, faire de nouvelles rencontres, à apprendre plein de nouvelles choses, de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. C'est génial. Mais on attend quelque chose de toi concernant ton attitude, c'est-à-dire ton comportement. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend de toi pour ton comportement? Alors, on attend que tu sois respectueux. Non seulement envers les adultes, mais aussi envers tes camarades, n'est-ce pas? Alors qu'un Jikis me répond ce matin, comment est-ce que tu réagis quand un camarade te parle mal? Dis-moi, comment tu réagis quand un camarade te parle mal? Est-ce que tu te bats avec lui? Est-ce que tu te bagarres avec lui? Est-ce que tu te tais, tu ne dis rien et tu gardes tout pour toi dans ton cœur? Ou est-ce que tu lui réponds et tu vas dire à un adulte? Quelle réponse tu choisis? Dis-moi. Est-ce que tu te bagarres avec lui? Est-ce que tu te tais, tu ne dis rien et tu gardes tout pour toi? Ou est-ce que tu réponds et tu vas dire à un adulte? Réponds-moi, réponds-moi. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Ah, je vois beaucoup je vais dire à un adulte. Je vois certains qui disent je me tais et je ne dis rien. Ah, alors qu'est-ce que tu réponds? Eh bien, j'y quitte. Moi, je vais te dire que c'est la troisième réponse.
Tu lui réponds et tu vas dire à un adulte, tu sais pourquoi? Oui, il ne faut pas se bagarrer à l'école. Alors là, non, hein. On ne se bagarre pas à l'école, on ne se bat pas, on ne tire pas les chemises, on ne frappe pas. Mais il ne faut pas non plus se taire et ne rien dire, Jikit. Tu ne peux pas. Il faut que tu répondes à ceux qui ne faut pas que tu te laisses faire, que tu ne laisses les autres mal te traiter, mal te parler, te traiter. Il faut dire non. Que Jikit maintenant me dise non, non et non. Je ne me tairai pas. Tu dois répondre. Tu dois répondre. Tu dois parler. Si quelqu'un te parle mal, si quelqu'un te répond mal, tu dois parler. Tu dois lui dire, non, tu ne me parles pas comme ça. Je n'aime pas comment tu me parles. Tu arrêtes, sinon je vais dire à la maîtresse. Amen. Ou à l'animateur, ou au maître. D'accord, Jikit? Tu lui dis ça parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Ne laissez personne vous maltraiter. D'accord? Si un camarade te prend tes affaires, ah bah tu vas les lui reprendre. Si tu n'es pas d'accord de les lui laisser, tu vas lui reprendre tes affaires ou tu lui demandes de te les rendre. Et s'il ne t'écoute pas, ah bah tu vas dire à la maîtresse ou à un adulte. D'accord, Jikit? Donc, on a vu que tu réponds quand quelqu'un te parle mal. Tu lui dis d'arrêter, tu lui réponds. Ou après, tu vas dire à un adulte s'il n'arrête pas. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être sage en classe. Tu dois être sage en classe, écouter et suivre les consignes données pour pouvoir travailler. Pour pouvoir être excellent en classe, tu dois écouter et suivre les consignes. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu dois faire tes devoirs tous les jours. Ah oui, là, j'y dis, tu dois faire tes devoirs tous les jours. La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. » Oui, Jikit, tu dois faire tes devoirs. Tu dois travailler à l'école de bon cœur comme pour le Seigneur. Donc, Jikit, après l'école, quand tu rentres à la maison, bien sûr, tu peux prendre un temps de pause, un temps pour te relaxer, tu bois un verre d'eau ou un verre de jus ou tu prends une compote ou un fruit selon l'accord de tes parents. Mais tout de suite après, tu dois faire tes devoirs. Même si ton frère ou ta sœur qui sont plus jeunes que toi et qui, eux, peut-être n'ont pas de devoirs, même si toi, tu les vois jouer, toi, tu ne vas pas jouer avec eux. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois aller travailler. Et non jouer, tu dois faire de ton mieux, tu dois faire ton maximum. Parce qu'après, j'ai envie de dire que si tu fais tes devoirs tous les jours, tu écoutes et tu fais tu suis les consignes et tu travailles à la maison. Et surtout, si tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi de t'aider, alors là, je dirais les mains hauts, que c'est fastoche. L'année va être facile. Tout va se passer super bien. Ça va être génial. Amen. Et soyez rassurés. Les parents sont là pour vous aider. Posez-leur des questions. S'il y a quelque chose à l'école qui ne va pas ou s'il y a une matière que vous ne comprenez pas, il faut poser la question. Et tu ne dois pas te taire. Il faut parler. Il faut leur dire. Amen. Oui, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider et demander aussi aux parents de t'aider. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on est quel jour? J'avais dit tout à l'heure qu'on était dimanche. Donc, on est à 3 jours, 4 jours de la rentrée. On doit avoir des petites routines pour que l'année se passe bien, que tout se déroule parfaitement. Les routines, c'est quoi, tu me demanderas? Les routines, c'est des petits gestes, c'est des méthodes. C'est des choses qu'on met en place jour après jour pour prendre de bonnes habitudes. Alors, je te donne un exemple. Une bonne routine pour se réveiller le matin, ah bah, c'est de se coucher tôt. N'est-ce pas, Jikit? C'est de se coucher tôt. Là, normalement, depuis 2 semaines, tu devrais déjà commencer à te coucher de plus en plus tôt. Alors déjà, est-ce que Jikit peut me dire à quelle heure tu dois te coucher le soir? Est-ce que tu sais? À quelle heure tu dois te coucher le soir? Est-ce que c'est après 22 heures
après 21 heures ou avant 21 heures? Selon toi, à quelle heure tu dois te coucher le soir? Dis-moi, choisis ta réponse. Est-ce que c'est après 21 heures, après 22 heures ou avant 21 heures? Je vois vos réponses. Certains me mettent après 21 heures. À 22 heures, Eh ben, Jikis, tu dois te coucher avant 21 heures parce que tu te lèves tôt le lendemain. Si on se couchait à 23 heures pendant les vacances, eh ben, ça va être progressivement baissé. 21h30, après 21h, après 20h30, et pourquoi pas même à 19h30, 45, progressivement habituer son corps aux horaires de la période de vacances. Je sais qu'on devait commencer plus tôt, mais bon, Seigneur, on a encore 3 jours, le Seigneur va nous aider à y arriver. Amen. Il faut qu'on écoute les parents quand ils nous disent « Allez au dodo, au lit !» Il faut qu'on obéisse, parce que comme ça, le lendemain, on pourra se réveiller plus tôt. 8h, 7h15, 7h30 pour certains. Et une autre routine à mettre en place après le réveil, c'est au réveil, qu'est-ce que je dois faire? En premier, on commence par quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on doit faire dès qu'on se réveille? Dès qu'on se réveille, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Oui, que Jésus dise, je dois prier. Je dois prier. Oui, Jikis, tu dois prier. Tous les matins, tu dois prier. Dès que tu te réveilles, tu pries. Tu dis merci au Seigneur pour cette excellente nuit, pour sa protection. Merci pour cette merveilleuse journée, parce que tu dois déclarer sur ta journée qu'elle est merveilleuse, que tout se passe bien, qu'à l'école, tu comprends le cours que le maître va donner, que tu excelles, que tu travailles bien, que ça se passe bien avec tes camarades à l'école, tes amis. Amen, amen. Tu dois le déclarer avant de partir. Tu dois prier dès ton réveil. Amen. Amen, amen. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux faire un petit câlin à papa ou à maman. Tu dois faire, après, prendre ton petit déjeuner, aller te brosser les dents, te doucher, te préparer, ou aller te doucher, te préparer, venir prendre ton petit déjeuner après, comme tu veux, dans le sens où tu veux. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Tu ne dois pas faire tout cela, tu ne dois pas manger devant la télé. Pas d'écran le matin. Parce que quand tu regardes l'écran le matin pendant que tu manges ou que tu te prépares avant d'aller à l'école, eh ben, tu ne vas plus bien comprendre les choses à l'école. Ça te distrait et tu n'es plus concentré en classe. Donc, pendant que tu manges, tu discutes avec tes frères, tes sœurs, ou tu prends un petit livre après avoir mangé en attendant que maman ou papa finissent de se préparer. Tu fais un petit dessin ou tu lis le matin. Tu ne regardes pas d'écran. Donc, vous promettez plus d'écran pendant le petit déjeuner. On est d'accord? Voilà les petites routines à mettre en place le matin afin de pouvoir passer une bonne journée et une bonne année. Et n'oubliez pas aussi les temps d'écoute. Quand vous rentrez le soir ou le week-end ou mercredi, si papa et maman sont posés dans le canapé, ils sont assis tranquillement, tu peux aller les voir, discuter avec eux. Leur dire ce qui ne va pas à l'école, si tu as un problème, s'il y a un camarade qui t'embête, s'il y a quelque chose qui se passe, va leur parler. Si tu travailles à l'école, ce que tu ne comprends pas, tu vas leur parler. N'attends pas qu'ils prennent le téléphone, qu'ils soient au téléphone et puis que tu viens, tu dis « Ah, papa, maman, ils ne pourront pas te répondre pendant qu'ils répondent au téléphone. » N'est-ce pas, J-Kids? Amen. Et je promets aussi que les parents prendront le temps pour vous. N'est-ce pas, les parents? Ils vont prendre le temps de vous écouter, de vous entendre parler et de prendre en compte tout ce que vous allez leur dire et de vous aider. Si quelqu'un à l'école t'embête ou se moque de toi, ne garde pas cela pour toi. Ne reste pas dans ton coin. Ne garde pas la peur, la boule, une grosse boule dans ton ventre qui t'empêche d'aller à l'école en paix. Et que le matin, chaque matin, quand tu vas à l'école, tu es angoissé, tu n'es pas content, tu as peur, tu es inquiet. Non, parle à tes parents. Raconte-leur tout.
Je répète encore, il faut parler aux parents de tout ce qui se passe à l'école. Ne reste pas dans ton coin effrayé, attristé. S'il y a quelque chose qui se passe à l'école, il faut parler. Amen. Et sache que tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit est en toi. Il est avec toi partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Et c'est lui qui va t'aider à comprendre les cours, à bien te comporter à l'école et ainsi à briller, à être cette lumière-là qui va briller et entraîner les autres à venir à la lumière. Parce que Ésaïe 11, verset 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est-à-dire sur toi, Jikit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia, amen, amen. Et c'est cet Esprit Saint qui est en toi, sur toi, et qui va te conduire toute cette année. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces conseils, pour ces paroles que nous avons reçues ce matin et que nous allons mettre en pratique tout au long de l'année. Nous allons prier, Jikit. Demande au Seigneur de te conduire toute cette année. Prie, Jikit, et demande qu'il t'aide cette année, qu'il prie pour le maître, la maîtresse, le professeur que tu vas avoir, afin que toute l'année se passe bien, pour tes camarades, que le Seigneur te donne de bons amis pour pouvoir passer une excellente année. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour tous tes enfants connectés, pour tous les J-Kids dont tu vas conduire la semaine, cette semaine de rentrée, que tu vas les aider à avoir une bonne rentrée et pour toute cette année où tu vas les conduire jour après jour, pas à pas, cours après cours, à comprendre, à être concentré en classe, à être obéissant, à suivre les consignes, à se coucher tôt, à se réveiller tôt pour pouvoir passer une excellente journée. Tous tes enfants que tu vas conduire aussi dans la prière, dans la méditation de ta parole, afin que Seigneur, ta parole puisse rester gravée en eux et qu'ils passent une excellente année sous la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci, merci, et nous disons tous amen au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Et bien, avant de nous séparer, nous avons quelques petites annonces. Tu as peut-être suivi Mega Impact Conférence au mois de juillet, mais si tu ne l'as pas suivi, aussi, même si tu l'as suivi, tu peux aller sur le site Impact Junior TV pour faire le plein de la parole. Les mercredis, quand tu es à la maison, les samedis, tu peux retourner dessus parce qu'il y en a pour tous les goûts. La prière, les chants, les histoires et les contes, les jeux bibliques, la musique, la louange pour les plus petits, les plus grands et même les ados. Le Seigneur n'a oublié personne. Alors, tu vas pouvoir revoir Monsieur Je sais tout. Tu vas pouvoir revoir Dean. Tracy raconte la Bible et plein, plein, plein d'autres choses. Amen. Et maintenant, tu peux te connecter avec le culte, au culte des grands avec tes parents. Et les ados, n'oubliez pas, votre culte reprend aujourd'hui à 16h. Aujourd'hui à 16h sur le même lien. Vous avez le culte des ados. Amen. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à vous dire à tous, à vous souhaiter une excellente semaine et surtout une bonne rentrée, les J-Kids. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.